Bon Dieu, moi, écoute, qui ça fait qu'il rentre bien dans une mine bouillie aussi? Il y a une pizza aussi à part, non? Et il rentre dans du rivière aussi, hein? Ketchup ou pétillé? Ketchup, l'eau du rivière, puis tu ketchup, l'eau du... Saute devant moi, allez. Dégueulasse. Bon, c'est très simple, hein? Je vous vise à toi de petit piment, bien ferme, oui, bien long, hein, c'est ok. Quand tu as c'était bien ciel, il reste un peu malang, hein. Donc, tu remplis une boule et que, dis-le, et tu plonges piment là-dedans, tu finis baptise, hein. Et ça là, chouchouk, ça là, poulouk, ça là, Michael. Là, une pour une, tu laves ça, et tu as cette lantenne, c'est pas qui, l'autre là qui est là, hein. Tout ça là, tu décortiques les sur la tosette d'une boule, voilà. Hein? Tu procures toi un light, tu déplisses lui, hein, pour te gagner un bien en singulier comme ça là, hein, là, là. Aster, elle est là, tu. Hein, ah là là, hein, ça là pour toi. À tout gagner. Là, je te casse, sorti des bisous là, tu comprends là, hein, là, là, je te épargne, je te un peu, hein, te couper, transer, elle est là, ban là aussi, elle dans sa boule communale là, hein, pour je te casse, faire la conversation, ban piment, ça là, correct, qu'est-ce que c'est, hein. Ça te dresse pas tout. Tu gagnes poivron rouge, hein, en pleine flétritude. Il y a un petit goût en plus. Avec l'amplifié sous fortitude. Tu gagnes un piment qui est finalement plus faux. Hein, fait ta barre bien. Tu translis, tu nettoies les comme ça. Et finalement, tu chopes les. Prochainement, tu gagnes un limon et tu tiens un peu ce zeste. Il y a plein d'exercices pour le limon. Tu as besoin de maquillage, c'est pas long, long soulier, c'est pas 45 mètres de terre, tout ça là, allez, tu prends ce zeste, tu me donnes pas. Là, même pour qu'il t'aille là, là, là. Pour la suite, tu sais pas le limon là, hein, tu éjutes. C'est-à-dire que tu tires ce jus. Tu prends un jus là, pareil, tu verses dans le bol de côté, tu tiens une section sur la peau. Et là, tu translis finement. Ça lui amène un petit élément de. Un petit arc. Tu connais rien. Hein. Pour que ma dé, il n'est pas trop profond, il est complexe. Là, tout ça mélange, là, tu disséles bien généreusement, excessivement même. Hein. Tu gagnes une bouteille d'huile d'olive qui te gagne en promotion contre Food Lovers parce que sinon, jamais tu peux acheter une affaire comme ça. Et que là, tu alimentes, tu mélanges. Finalement. Tu as un blender, tu allumes, tu mets dans le courant, l'autre, comment dire, pour l'immerser. Et là, tu crases. Et ça te gagne consistance que tu as envie. Et là, tu es content. Gros bout de piment de la bouche. Et là, content que tu aies la sauce dans la bouche. Tout dépend, tu es content de la bouche. Quand, comment dire, il est prêt pour finir, il a sa consistance magique là. Quand il est prêt pour finir, craser, tu ajoutes un petit peu de sucre, un petit peu de miel et un petit peu de vinaigre. Et tu goûtes le piment, tu viens bien. Pour toi, tu goûtes le piment, tu viens. Tu as envie de mettre là-dedans, ajouter l'autre. Tu donnes un dernier coup de grinder là. Et là, voilà, fini, piment crasé. Mais tu te dirais frère, tu te pizza, tu te mingouille, tu te dirais carré du pain, c'est plutôt les côtes de mettre ton piment crasé. Hein? Un bol qui à la base, tu casses bien. Pan qui m'a dit, c'est pas bien là. Pas les ça. Hein? Tu prends ton Delville Zoli, normalement bien cher, tu gagnes de promotion. Tu vides ça, tu fais une Zoli base en bas, tu m'as dit, un demi centimètre. Oh. Tu prends le piment fraîchement écrabouillé, là tu vides ça là dans ce qui est cavé qu'il y fait. J'ai mis celui-là pour recouvrir sa piment là. Tu prends une couille à droite de ton piment, j'ai mis celui-là, j'ai copié-le par le piment là. Aïe là, Zenes, tu portes. Tu piment crasé, tu fais ça, tu dis à moi, hein. Enfin, si tu as un cousin, parce que ça fait la faux, ça fait la pagain prend. Pagain prend. Allez! Mais ok, mambo, hein? Allez! Et après, nous allons. Ok.